Bon, on est dimanche matin. Il est très tôt. Bon, là, je vais quand même me prendre un café parce que faut pas déconner, mais il faut que je fasse le traitement de gale des pâtes des poules. Je continue de parler ici pour pas réveiller monsieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre un par un dans le poulailler. Je vais mettre un tapis sur le toit du poulailler, les mettre dessus, badigeonner les pâtes. Donc, de l'huile de cade vraie. Mélangé à 50% avec de l'huile de table, moitié-moitié, et un coup de spray antiparasitaire au niveau des fesses. J'ai déjà mis un sac plastique au-dessus de ma bonbonne de spray pour pas qu'elle soit tachée, parce que j'aurai de l'huile de cade vraiment plein les pattes. Et donc 16 poules et 2 coques à faire, toute seule. Bon, je pense qu'il va y avoir un peu de rébellion, donc je vais essayer de le faire avant qu'il fasse trop jour. Et puis, ouais, tenue de combat, mon vieux peignoir. Hein, puis après, on a intérêt à laver deux fois ses vêtements parce que l'huile de cade, ça tache et ça sent vraiment très mauvais et très fort. Ce sera plutôt en fin de vidéo, je vous parlerai des œufs de caille, des fonds agrippants que j'ai trouvés, comment je compte m'y prendre dans la couveuse et dans la nurserie. Donc bien sûr, je vais vous filmer le traitement de gale des pâtes en accéléré.
Coucou les biches. Alors ça a coupé au moment où je prenais Piper dans le poulailler. Il restait plus que Piper, Paige et après Chérie. Je voulais même faire un gros plan sur Chérie avec ses grandes pattes, ça se serait bien vu. Mais plus de batterie et plus de mémoire les deux en même temps. Hein. Comme ça, on était tranquille. Ça va les biches? On va profiter un petit peu d'elle, hein, parce qu'après on les verra plus. Ils partent cet après-midi. Donc bien sûr, je garde la fille de Nunuche. Nounou, elle reste à mon bijou. Bah oui. Toi, tu vas me manquer, mon cœur. Hein. Bah oui. Tu fais l'offusqué? Si, si. Coquine. Coquine, t'auras un petit coq. Un petit coq à se partager avec une vingtaine de poules, mais bon. Bah alors? Elles ont toutes les pattes noires, ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Les pattes noires comme ça. Bon, oui. Des fois, elles réagissent un peu vivement parce que ça peut piquer, hein, là. Surtout avec de l'huile de cade pure, même si c'est dilué de moitié. Chéri, il a les pattes aussi foncées que lui maintenant. Et il a été très sage. Si je l'avais montré en gros plan, ça aurait été impeccable. Donc, bah, du coup, vraiment, vous badigeonnez toute la pâte et vous montez le plus en haut possible. Même si vous en mettez un petit peu sur les plumes du haut, c'est pas grave, faut vraiment faire la pâte vraiment jusqu'en haut, quoi. Ah oui, chérie. Ouais, bah du coup, là, forcément, j'ai mis en super accéléré. Entre le début où j'ai fait mon mélange de produits et au moment où j'avais fini avec chérie, j'ai mis 1 heure. En faisant aussi un traitement au niveau des fesses contre les poux. Donc, je suis bien contente de ne pas en avoir 50 hein, dans ces cas-là. Hein. C'est quand même tout un processus. Alors là, les fringues, le tapis, tout a été mis à laver direct. Toutes les petites gouttes que j'ai pu trouver d'huile de cade qui s'étaient versées, je les ai enlevées à la lingette aussi. Donc vous voyez, après, elles peuvent se tenir un peu recroquevillées comme ça, un petit peu amorphes, un peu patraque. C'est parce que ça pique un peu. Hein, dans les quelques heures qui suivent, elles sont pas encore au top. Bah, Gloussette, qu'est-ce que tu fais, mon bijou? Elle est grimpée sur la bûche. Bah, glou glou. Là-bas dans le coin. Donc oui, elles sont un peu contrariées après, mais bon, faut bien le faire, hein. Donc bon, comme là, 18 bêtes à faire. Oh, yaka. C'est quand même pas une chose sympathique à faire. Et puis le pinceau, il durcit vite. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Mais de toute façon, quand là vous vous mettez 1 heure entre les premiers et les derniers, bah, ça durcit quand même un petit peu. C'est déjà un peu moins évident, mais. Et entre-temps, on m'a vu recafouiller au produit. Donc à un moment donné, j'avais remis de l'huile. Après, j'ai remis un peu d'huile de cade. Alors, je mélange régulièrement, mais l'huile de cade, c'est tellement pâteux et lourd que ça va au fond. Et comment dire, le mélange est plus épais au fond. Et parfois, on ne va pas toujours chercher bien au fond avec le pinceau. Il faut remélanger un petit peu, remettre un peu d'huile normale. Là, c'est de l'huile de colza qu'on avait en stock du temps de mon grand-père. Alors, on ne l'utilise pas pour nous, la cuisine, mais je l'utilise là pour les poules. Donc voilà, vaut mieux pas l'utiliser pur à 100%, sauf si vous avez vraiment une bête gravement atteinte. Mais diluer de moitié, c'est largement bien parce que c'est tellement épais. Je fais des petits rajouts d'huile un petit peu de temps en temps. Enfin, une bonne chose de faite en tout cas. On va profiter des miss. On doit de la plus sauvage. Bon, oui. Hein? Bah, ouais, mon bébé. Bah, elle est où la copine? Oh! Oh! Tu es en train de pondre? Je pense que je vais essayer de leur mettre un petit coup d'huile sur la crête avant de leur donner parce que elles ont pris un petit coup de froid hein, quand même. Les bouts de picot de crête. Et puis voilà, on verra plus les miss. Mon père dit oh, ça va me faire bizarre. Donc là, à la cave, il est en train de. J'ai pris quelques photos. Il est en train de retravailler. J'aurais dû faire avant-après. Mais au début, j'étais même pas au courant qu'il allait faire ces travaux-là. Et donc, il est en train de tout remaçonner. À la base, c'était des briques avec des joints qui tenaient plus. Et il y a des endroits, c'était même de la terre battue. Il y avait des rats. Ça doit faire une paire d'années hein, qu'il y avait des rats déjà avant nous, hein, bien sûr, qui était venu abîmer la cave. Donc il a retravaillé même le puits.
le puits d'aération. Et là, c'est la vue extérieure de cette petite aération qu'il avait faite aussi. Qu'avant, c'était une plaque toute moche que j'ai quelque part dans mes photos. Là, il est en train de retravailler les marches parce que c'est un peu compliqué de descendre la cave sans se taper la tête. Ma nounoute. Alors? J'espère qu'elle va pas me faire une vie de patachon. Parce que ce soir, elle va dormir avec tout le monde. Oui. Tu vas être sage, hein? Bon, puis il faut qu'elle se fasse accepter. Hein. On va avoir peut-être un petit peu de conflit. Donc, des fois, je vous dis, elle s'était déjà sauvée ici. Ça avait l'air de bien se passer. Poussin aussi, elle gambadait avec les autres. Hein, mais il va falloir un petit temps d'acceptation de la part de la troupe. Bon, allez. Dernières images des Miss. Ah bah bien sûr. Ils sont deux à pondre en même temps. La grise avec un cou blanc, elle veut pondre en même temps que la copine. Donc elle fait encore des œufs plutôt petits, hein. Il y a des jours c'est un peu plus gros. Mais d'ici, je dirais 2 mois, elles feront des œufs vraiment de taille normale. Bon allez, on va parler de la couveuse, des caïtos à naître. Et puis je vais montrer les foins grippants que j'ai trouvés et comment je compte m'y prendre. Bah, ça arrivera dans le courant de la semaine prochaine. Donc si tout se passe bien, il y aura déjà des caïtos qui seront nés dans les prochaines images. Je ne sais pas si la couveuse sera encore en route, mais ça dépend si j'ai des naissances très échelonnées ou pas. Bah oui mon bébé, tu me suis toujours au grillage. Hein. Ouais, tu vas me manquer ma petite miss. Enfin ma petite, c'est la plus grosse des trois. Hein. Enfin des quatre en tout, mais parmi les trois qui vont aller dans la famille, c'est vraiment la plus grosse. Et la plus pot de colle. Ma biche. Puis j'espère qu'elles vont pas trop se faire martyriser par les autres poules hein, de la mamie. Mais bon, on verra bien. Hein. Y a pas le choix. Coucou les bijoux. Bon, la lumière est déjà allumée, hein, bien sûr. Ah! Elle a ponte. L'une qui veut pondre tranquille et le mâle, il est collé, quoi. Ah ouais, là, j'ai l'impression que c'est l'heure de ponte. Hein. Il y en a une autre sous le ponton en bois. Donc, rien à signaler pour les reproducteurs, tout se passe bien. J'espère que ça se passera aussi bien pour leur progéniture qui sera installée ici. Bah, pareil que la fois dernière, hein. Dans une caisse que je mettrai en hauteur et je remettrai la lampe chauffante, je reprépare tout comme c'était la dernière fois. Bien sûr, il y a tout le matos à nettoyer, donc ça c'est la mangeoire. Hein. Comme ça, quand je vous en parlerai, vous saurez de quoi je parle. Et l'abreuvoir ici, vraiment avec une coupelle très petite. Hein. Je vais la prendre pour qu'on se représente. Hein. C'est la largeur d'un doigt. Bon, j'ai des gros doigts certes, mais vous voyez vraiment une coupelle assez peu large pour pas que les caïtos aillent se noyer dedans. Éventuellement rajouter encore un petit peu de gravier au fond au début au cas où. Et donc ça, j'ai de la farine pour poussin qu'il faudra que je tamise parce qu'il y a quand même des petits bouts de maïs hein, dedans et des miettes pintado d'indono que je devrais également passer au mixeur là, puis après tamiser pour récupérer vraiment de la farine. Vous voyez les petits bouts de maïs comme ça. Ce qu'on voit. Ça, c'est un mélange de farine pour poussin et de miettes pour poussin. Et donc, tous les petits bouts de maïs qu'on voit, c'est les bouts de maïs qu'il y a dans la farine. Hein, donc ça, faut que j'enlève. Hein. Pour les caïtos, ça va pas le faire du tout. Déjà, pour les caïtos adultes, c'est limite. Hein. Et donc, dans cette mangeoire-là, il y a beaucoup moins de gâchis avec de la farine parce que ça s'écoule beaucoup plus lentement parce que les caïtos sont tellement petits qu'ils arrivent à rentrer hein, dans une alvéole comme ça. Hein. C'est tellement petit. Donc du coup, vraiment de la farine, ça s'écoule plus doucement. Il n'y a pas de gaspillage parce que sinon, ils vont dans les alvéoles et ils grattent dedans parce qu'ils se mettent à gratter assez rapidement. Hein. C'est impressionnant. Hein. À partir du moment où ils sont à peu près stables sur leurs pattes, c'est toujours le problème du démarrage, ça. Ils sont tellement petits aussi que plus les particules sont fines au démarrage comme ça, plus ça les aide à pouvoir manger au mieux et plus rapidement. Alors là, je vais retourner les œufs. Donc comme il y a eu une mise en place en couveuse de façon échelonnée, hein, puisque y a pile, demain ça fera pile 2 semaines, demain soir, lundi soir, que j'ai mis les œufs les plus vieux en couveuse,
Donc j'avais échelonné lundi soir, mardi matin, mardi soir, mercredi matin. J'avais fait quatre groupes. Et on va dire, on va considérer, normalement c'est plus ou moins les derniers œufs qu'on a mis en couveuse, mais je vais faire comme si c'était vraiment les œufs du mardi soir qui vont compter comme premier jour d'incubation, puisque les plus vieux s'étaient fait exprès de leur faire prendre de l'avance. Donc ça sera mardi soir, jour que je considérais comme étant le jour numéro 14, où je vais mettre les œufs à plat. Ça sera à ce moment-là où je vais mettre un fond à grille-pain. Comme ça, les caïtos, à partir du moment où ils vont naître, ils vont déjà pouvoir bien exercer leurs pattes parce que c'est vraiment leur gros point faible. Donc j'ai déjà plusieurs fonds à grille-pain, mais c'est pas encore ça que je vais utiliser dès le début. Donc vous voyez de la matière comme ça, mais c'est un, vous voyez, c'est très très flexible. Ça aussi. Donc si on utilise ça. Donc c'est vraiment très très agrippant, mais très souple. Donc il faudrait vraiment fixer tous les bords pour pas qu'ils passent en dessous, pour pas qu'ils plissent le tapis. Et après celui-là. C'est un peu siliconé, vous voyez, il y a des rainures. Mes soucis, c'est que c'est pour moi pas assez caoutchouteux, pas assez siliconé, c'est quand même un peu raide. Donc grâce aux rainures. Ça devrait aller quand même, mais s'il marche dans le sens des rainures, ça va peut-être pas bien permettre d'adhérer. S'il marche en perpendiculaire ou en diagonale, ça devrait le faire, mais bon. C'est quand même pas ça que j'utiliserai au début. Peut-être dans un second temps, mais par contre, c'est plus raide. C'est plus pratique, on découpe vraiment de la façon qu'on veut, il n'y aura pas besoin de fixer les rebords pour pas que ça plisse. Ce bac-là, comme la dernière fois, c'est ce qui me servira de nurserie. Je pense que je vais utiliser ces dalles-là. Donc, je n'ai pas mesuré combien elles font, mais je ne sais pas si ça vous donne un peu un aperçu, une idée. Donc je vais en découper une en rond. Donc ça sera vraiment au moment de mettre les œufs à plat. Donc je pense que je les mettrai dans une assiette. Une plaque chauffante au-dessus pour pas qu'ils se refroidissent. Et puis comme ça, j'aurai accès au fond de la couveuse pour enlever la plaque du fond et vraiment mesurer le bon diamètre à découper. Donc je ferai un traçage au crayon de bois au dos, je découperai. Puis je sais pas comment je ferai, je ferai des petits trous d'aération pour que l'humidité du dessous de la couveuse puisse circuler partout. Et puis bon, bah j'ai deux plaques, ça c'est 3 euros à Action. Ce que je vous ai montré avant, le rouleau en silicone, ça doit être dans les 3,50 euros. Le plus petit des tapis antidérapant noir, le plus petit rouleau, 79 centimes, et l'autre 1,50 euros. Je me suis dit, j'étais dans le magasin, pas avoir de regrets, je vais tout prendre, y réfléchir après. Donc là, 3 euros. Alors sur le coup, j'ai vu ça vraiment à la fin. Je dis, allez, je le prends, puis je réfléchirai après. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour le démarrage. Et je mettrai une plaque dans le fond là, de la nurserie. Il va manquer un petit bout, mais comme je serai obligée de faire un découpage sur le côté pour que ça rentre bien dans le fond, puis en plus le découpage des reliefs, du relief des roulettes, là, je vais essayer de remettre un autre petit bout, de l'intercaler à un autre endroit, pour que ça recouvre le plus possible le fond. Donc avec la lampe chauffante, de toute façon, les crottes vont sécher. Dans la couveuse, c'est pareil, hein, la chaleur plus la ventilation, ça va sécher, puis ça va absorber un petit peu les crottes. Et ça, on ne pourra pas faire mieux pour l'agrippement au niveau des pattes. Par contre, pour le nettoyage, ça va être bien sympathique. Ça, celle-ci, ça sera peut-être plus en deuxième partie. Après, en termes de matière, hein, je vous dis, ça vraiment, c'est un peu mieux, c'est beaucoup plus caoutchouté que le rouleau ici, mais bon. Bon, c'est à jourer, forcément les crottes ça passera en dessous. Là. Puis c'est aussi le côté léger de la matière. Mais bon, ça franchement c'est toujours bien de l'avoir parce que peut-être qu'avec ça ça sera moyen, mais vraiment pour le démarrage, de toute façon ça sera le tapis un peu moquette. Et puis ça serait en second. À moins que je passe directement au copeau après, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, si ça se passe pas bien là, avec toutes ces précautions de fond agrippant, si ça diminue pas le taux de mortalité, je sais pas quoi faire d'autre. Donc en tout, les deux plaques de fond, ces trois rouleaux-là et tout, ils n'étaient pour moins de 12 euros. Lui, ça vaut le coup d'investir, puis après de réfléchir à comment est-ce que je vais m'y prendre. Donc, on va croiser les doigts. Là, je vais essayer de vous montrer le mirage d'un œuf clair et d'un œuf bah, pas loin de l'éclosion. Hein. Donc, mise à plat jour 14. Et les éclosions, généralement, ça commence à partir du 17e jour. La dernière fois, ça a été échelonné sur 5 jours. Là, j'espère que ça sera échelonné quand même. Beaucoup moins que ça. Donc là, je vais essayer de trouver un œuf fécondé, puis un œuf clair, et puis montrer la différence des deux avec une lumière. Là, par exemple, c'est un œuf clair. Ça va être évident. Vous voyez, c'est tout transparent.
Donc je suis obligée de réduire hein, la largeur du, comment dire, du faisceau lumineux pour montrer un petit peu. Oui. Ça fait vraiment un effet très clair. Donc ça, c'était un des œufs les plus vieux, par exemple. Là, ça, c'est un œuf encore assez vieux, mais celui-là, il est tout blanc. C'est un des rares qui est tout blanc, qui soit tout blanc, pardon. On voit un anneau de sang ici. Vous voyez, une tache de sang. Donc là, il y a eu fécondation, mais ça n'a rien donné. Donc là, par exemple, il y a un embryon. Alors, la lampe torche est super puissante, mais par contre, le faisceau lumineux, il est trop large. Alors, pourtant, vous voyez, je l'ai réduit, mais bon, pas faire mieux. Là, en fait, il est super opaque. Je peux pas vous le montrer en intégralité parce que il y a tellement de lumière en dessous, vous allez voir encore moins bien que moi. Donc là, il est très opaque. Je vais vous repasser un œuf clair pour voir la différence. Donc là, normalement, c'est un œuf qui va aboutir à un petit caïto. Vraiment, ça fait très opaque, hein, proche de l'éclosion comme ça. Et à nouveau un œuf clair. Vous voyez là, la lumière, elle passe totalement à travers. Les paramètres vont se remettre bien, hein. Je suis à peu près. Parfois, ça descend à 47. Généralement, c'est 49% d'humidité avec juste un petit verre à liqueur, hein. Par contre, après, je mettrai de l'eau, hein, dans le fond de la couveuse. Je remplis qu'une seule partie du fond en eau parce que sur la notice, sur le modèle puiseur, ils disent de mettre de l'eau partout dans le fond, mais c'est trop en humidité. Donc, c'est pas bien parce que que ça soit poussin, caïto, peu importe, le petit peut mourir dans l'œuf. Encore un canard, peut-être qu'il supporte un taux d'humidité supérieur, mais j'ai jamais fait de caneton donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet. Mais pas que l'humidité soit non plus énorme, donc dans les 70, je crois, si je dis pas d'ânerie. Là, la température, elle va remonter. Pas loin des 38, elle est plus à 37, 8, 37, 9. Mais ça, c'est une couveuse, c'est un modèle automatique. Je ne peux pas gérer la température, ça se fait automatiquement. Et l'hygrométrie, je le gère en rajoutant de l'eau, pour ceux qui n'avaient jamais suivi. Et donc voilà, aux prochaines images, je vais calculer le taux de fécondité. Donc par exemple, même des œufs qui ne vont pas aboutir, si je vois qu'il y a eu un petit début de quelque chose en développement, comme là, une petite tache rouge, un petit germe, c'est-à-dire que le mâle a bien fait son travail, il y a eu contact entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Je vous avais montré au début, c'était vraiment des vieux œufs, donc il y avait toutes les chances que ça donne des œufs clairs ou alors avec un avortement spontané comme ça. Et donc le taux de fécondité, ce qui correspondra pas au nombre d'œufs que je mettrai à plat, mais le nombre d'œufs qui a priori ont été jusqu'au stade de début de développement cellulaire. Et ensuite, le nombre d'œufs que je vais mettre à plat avec un embryon qui prend bien toute la place dans l'œuf et qui a l'air tout à fait normal pour éclore. Et bien sûr, quand on a un petit doute sur certains œufs, si on voit que l'embryon prend vraiment pas toute la place dans l'œuf, mais pas de loin, en cas de doute, vous le mettez quand même à plat. Ça mange pas de pain. Donc voilà, je vous donnerai. Faudra que je les recompte. Hein. Là, je vais pas trop cafouiller. Je crois que c'est 52 œufs. Dans une cinquantaine, je vous dirai le nombre de fécondés. Et puis, le nombre de fécondés, le nombre d'œufs clairs, et puis le nombre d'œufs que j'ai mis à plat. Je ne sais pas si les éclosions auront vraiment fini aux prochaines images, je ne pense pas. À la toute fin, on verra combien de caïtos ont éclos, et puis combien de viables à la fin. Donc ça sera peut-être plus dans. Ça sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, les caïtos qui sont encore en vie, normalement, il n'y aura plus trop à s'inquiéter pour eux à ce moment-là. Parce que, ouais, mardi, ça fera jour 14. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi, début des éclosions. Normalement, hein, il y aura peut-être un peu d'avance pour ceux qui ont été pour les moins vieux, mais je sais pas. Ouais, dimanche, je pense qu'il y aura encore des éclosions en cours aux prochaines images. Hein. Donc il y aura à la fois des caïtons en nursery, des caïtons en couveuse, il y aura les deux. Bon allez, à plus.